Yo les potes, c'est Kenan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner Freezer Golden donc dans les épisodes Dragon Ball Z. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification et de liker cette vidéo pour le référencement. Voilà, donc j'ai plein de Pixar sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc si t'aimes bien le Pixar, bah, abonne-toi et active la cloche de notification. Donc comme matériel, il vous faudra alors déjà du noir, donc il vous faudra beaucoup de couleurs, hein. Du violet clair, du violet, du jaune, du orange clair, du orange foncé, du rouge et du orange. Voilà. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par le noir, donc par les contours. Alors moi, je vous conseille de commencer par ici, parce qu'en gros, le dessin va être très grand. Donc là, on va commencer par la main, puisqu'en fait, la queue va se terminer ici, et là, on va commencer par la main. Alors, déjà, on commence par le noir, ok. Donc, allez, on va commencer ici, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ensuite 1, 2, 3, 1, 1, et 1, ok. Donc là, on commence par la main, d'accord? C'est pas entendu. Ensuite, là, on fait 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Donc là, on descend en bas. Ok. 1, 2, 3, 1, hop, ok. Ensuite, on fait 1, 2. Donc là, vous voyez bien, donc là, il n'y a pas de problème, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous mettez un point. Là, 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, vous mettez 1, 2. 1, 2. Là, on fait 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Voilà. Donc là, c'était la partie un peu dure, je dirais, de ma façon. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 1. 1, 2, 3. 1, 1. Et on fait 1, 2. Ok. Ensuite, après avoir fait ça, vous faites 1, 2, 1, 2. Regardez bien s'il y a bien 5 d'écart ici. S'il y en a 4, faut recommencer parce que sinon le dessin va être très moche. Ensuite, là, vous faites 1, 2, 1, 2. 1, 2 et 1. D'accord. Ensuite, là, ça va être une des parties la plus compliquée de la vidéo. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 1, 2. 1, 2, 1. En fait, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3 et 4. 1, 2. 1, 1. 1, 2, 3. Ensuite, là, vous faites 1. D'accord. Là, vous faites 1. 1, 2. 1, 2. Ensuite, là, ce que vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, là, vous allez monter 1, 2. 1, 1, 2. Là, vous allez faire 6. 6, excusez-moi. Là, vous allez faire 1, 2. Là, on redescend. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vous allez faire un point. Et voilà. Donc là, on a déjà la forme de sa tête avec son corps. Alors, il ne reste plus qu'une chose pour les contours. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez laisser un carreau ici. Vous descendez et là, vous faites 1, 2, 3, 4. 1, 2, voilà. Ensuite, là, vous allez juste faire aussi un petit truc au milieu, un petit truc stylé. Là, vous laissez 1, 2, 3. Là, vous faites 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous faites 1, 2, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner les contours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le orange foncé, donc voilà. Alors, en gros, ce que vous allez faire, c'est que là, alors, donc là, je vais vous dessiner déjà des points de démarcation. Donc là, vous allez faire un trait jusque là, vous allez monter. Ok, là, on fait ça, hop. On fait ça, ok. Donc là, on dessine tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Ok. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez monter comme ça. Ok. Ensuite, vous allez monter comme ça. Hop. Ensuite, tout en haut comme ça. Après comme ça, comme ça. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc la queue est ensemble comme ça. Donc elle est vraiment hyper stylée. Moi, j'ai vraiment rien à dire. Ensuite, vous allez prendre le jaune. Voilà, donc le jaune, donc la couleur la plus claire. Ok. Donc je parle pour les feutres alcool, hein, donc le jaune quoi. Et vous allez dessiner tout ce qui est là. Ok. Ensuite, après avoir dessiné ça, ce que vous allez faire, c'est que on va faire ça, on va descendre comme ça tout en bas. Hop. Ok, et ensuite là, donc là vous allez dessiner comme ça. Hop. Hop. Voilà.
Après avoir fait ça, donc on va remonter. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, on va donc en gros ça. Hop. Et qu'on va faire ça. Ensuite là, vous allez descendre comme ça. Ok. Ensuite là, hop, faites ça. Là, vous faites la même chose. Là aussi. Et voilà, donc c'est ce que vous allez faire. Et là, vous avez dessiné tout, tout ça, là. Je vais vous montrer. Hop, vous allez dessiner ça, ça. Voilà, c'est tout ce que vous allez dessiner. Ok. Et voilà. Donc après avoir dessiné tout ça, ce que vous allez faire, c'est qu'on va dessiner ça aussi. Voilà. Donc là, vous allez reprendre le noir, d'accord. Vous allez faire deux ici. Voilà, pour faire l'oreille. Aussi, vous faites deux. Et là, vous allez aussi faire deux. Après, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez faire 1, 2, 3. Vous allez dessiner un carreau. Dessiner un deuxième carreau. Là. Et vous faites 1. Voilà. Et voilà, donc vous allez laisser comme ça. Ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3. Vous faites 1. Là, 1, vous faites. On va dessiner 4 carreaux là. Après, là, ce que vous allez faire 1, 2, 3. Vous allez dessiner là. Donc là, vous faites 1, 2. On descend. Et là, vous faites 4 carreaux. Voilà. Vous faites 4 carreaux. Là, vous dessinez un carreau, donc c'est un carreau que j'ai oublié. Et voilà. Ensuite, ce que vous allez prendre, après ça, ce que vous allez prendre, vous allez le rouge. Voilà. Donc là, on va dessiner les yeux. Bon, après, quand tu regardes comme ça, c'est un peu bizarre, mais. Quand on va dessiner son crâne, et ben, ça va être moins bizarre. Après ça, vous allez faire ça. Hop. Ok, comme ça en fait, là ça va être du jaune foncé en fait, c'est pour ça. Ah, du orange plutôt, alors. Voilà. Et ensuite, là, on va pouvoir dessiner tout ce qu'il y a là. Voilà, après avoir dessiné ça, vous allez prendre le orange, on va dire, voilà. Et on va dessiner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là déjà. Voilà. Ensuite, vous allez dessiner ici.
ensuite de dessiner ce qu'il y a là-dedans. Le petit point là. Et voilà. Après avoir fait ça, vous allez prendre le violet foncé. D'accord. Vous allez dessiner. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner ce qu'il y a là. En gros, vous allez faire un trait. Vous allez dessiner ce qu'il y a ici. Là. Voilà. Ensuite, vous allez dessiner ce qu'il y a ici, là. Hop. Faites ça. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre le violet clair. D'accord. Et voilà. Après avoir dessiné donc sa tête, ensuite vous prenez le orange foncé, d'accord. Vous allez dessiner ce qu'il y a là, jusque là. Voilà. Ok. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre le violet foncé. Vous allez dessiner sa main. Qui est juste stylé. Voilà. Ensuite, vous allez l'autre main, vous allez la dessiner de la même manière en violet. D'accord. Ensuite, vous allez prendre le orange l'orange et vous allez dessiner ce qu'il y a là. Voilà. Là vous allez dessiner ici. Là c'est pareil. Là. Ce que vous allez faire un truc, là, vous allez faire la même chose, et vous faites un trait jusqu'à là, et vous allez dessiner ses jambes. Ok. Après ça, vous allez descendre tout en bas. D'accord. Vous allez refaire. Alors vous allez faire. Vous allez dessiner les pieds en orange. Puisque.
que ça fasse de l'effet. Voilà, ici c'est la même chose, off. Et là. Voilà. Ensuite là vous allez faire un trait de 3. Là ici vous allez faire un trait de 3. Ok. Là vous allez prendre le jaune. Vous allez dessiner ici. Ensuite vous allez dessiner ce qu'il y a là. Hop. Ok. Après ça, vous allez prendre le orange foncé. Et vous allez dessiner toute sa jambe. Et pour finir la vidéo, vous allez prendre le orange foncé, qui est le 33. Voilà. Voilà. Et voilà les gars, donc le dessin il est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc si t'es nouveau, nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner avec la cloche de notification. Et bien sûr de mettre un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Voilà, donc je vous montre à quoi ressemble le dessin. Voilà, il est magnifique, c'est vraiment, je suis vraiment hyper fière de mon, du résultat de ce dessin, voilà. Et sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo !